Et heureux les gens. Désolé du coup. Un peu de temps, il fallait absolument que je fouille dans mes mails pour essayer de retrouver le code pour récupérer un colis en pick-up. Parce que Chronopost ne sont pas capables de m'appeler pour me proposer. Ils ont tenté de déposer au point de relais en bas de chez moi, qui est un marchand de fleurs, qui ferme entre midi et 13h30 ou 12 et 14. Et du coup, ils ont pas pu le déposer parce que c'était fermé. Donc ils me l'ont mis en relais pick-up, mais je n'ai pas le code. Donc c'est chiant. Non, c'est pas grave. On va faire une clope et on va continuer encore un peu. Bien sa quête à lui que ça m'indique ici. Un nombre de la crypte. Ouais. Non, c'est l'autre point. D'accord. Voilà, je sais pas trop c'est lequel. On va lancer le truc avec Sébastien. Sébastien. Ici. Alors pourquoi je pense à... Merde, le manga là. Sébastien, ça faisait longtemps. En effet, Avec le content majordome. que tu aies reçu mon hibou. J'ai plus le nom. J'ai quelque chose à te montrer. Avant tout, je voudrais te remercier pour la bibliothèque. Aucun problème. Scribe a essayé de me mettre en retenue, mais je sais comment y échapper. Mais tu t'es quand même dénoncé à ma place. Ce n'est pas rien. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, mais il manquait quelque chose. Je pense qu'il vaudrait mieux en discuter ailleurs. D'accord. On pourra en parler dans la crypte. Même les professeurs ne connaissent pas l'existence de cet endroit. Par ici. 2 secondes. Une seconde, copain. Écoute, de toute façon, faut que je monte au magasin après, moi, pour racheter quelques trucs. Le relais pick-up est là et au magasin, je vais voir. Ils pourront peut-être m'aider. Il y a un passage secret juste ici. Il est bien caché. C'est vrai qu'il doit être bien planqué parce que j'avais pas. Ah si, d'accord. J'ai compris. Vous l'avez vu ce truc-là, je pensais que ce serait lié à un sort, une découverte, mais non. Passage secret. Comment as-tu trouvé cet endroit? Grâce à mon ami, Hominis Gaunt. Il appelle cet endroit la crypte. On jouait souvent au baf-boule ici, avec ma sœur, Anne. Elle adorait ce jeu infernal. Je donnerais n'importe quoi pour perdre contre elle à nouveau. Écoute. J'ai promis à Hominis de protéger cet endroit. Alors, il faut que ça reste entre nous. Il ne se confie à personne. Et pourtant, il me fait confiance depuis le jour où nous nous sommes. Tenue robuste. Je ne voudrais pas que ça change. On va changer un peu de couleur. On n'a pas de vrai truc blanc pétant, un peu. Enfin, un peu. Pas comme mes cheveux, mais voilà quoi, vous m'avez compris. On se faufilait ici presque tous les jours. On ne s'est jamais fait prendre. Je crois avoir vu Hominis en cours de potions ou de botanique. Comment a-t-il trouvé cet endroit? Oui, mais je ne sais pas comment il fait. Hominis est né aveugle et aucun sortilège ne lui rendra la vue. C'est comme si sa baguette avait sa propre conscience. Après tout, Ollivander dit toujours que c'est la baguette qui choisit son sorcier. C'est comme ça qu'il a trouvé cet endroit? Quelqu'un de sa famille l'avait découvert. Les Gaunt ont bien des secrets. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler. Ouais, je vais jouer pendant et encore une heure et demie, je pense. Ici. Je le répète, mais ne dis rien à personne. Et encore moins à Hominis. Il n'apprécie pas sa famille et leurs secrets. Mais cet endroit lui est cher. Compris. Mais au fait, pourquoi Hominis n'apprécie pas sa famille? La famille de son père descend directement de Salazar Serpentard. Ouais, si, une quatre fondateurs de Poudlard. Pas mal.
La plupart d'entre eux sont obsédés par la pureté du sang. Hominis ne les supporte pas. Il sera le premier à te le dire. Enfin, la crypte est l'endroit parfait pour échapper aux regards indiscrets. Et pourquoi pas s'entraîner à quelques sortilèges interdits. Vraiment ? Comme quoi ? Comme le maléfice explosif. Selon les professeurs, ce sort ne devrait pas être enseigné aux élèves. L'enseignement magique devrait concerner tous les types de magie. Je suis tout à fait d'accord. Un sort comme Confringo n'est dangereux qu'entre des mains inexpérimentées. De tels sorts devraient être enseignés, pas interdits. Pour être honnête, j'ai tendance à préférer les types de magie plus explosifs. Mais ça tu devrais l'apprendre. Après. Je peux te l'enseigner. Est-ce qu'on est vraiment étonné que ce soit lui qui nous apprenne les magies, une magie interdite ? Il faut parfois un certain temps avant de bien sentir les choses. Reproduis le mouvement de ma baguette. L'incantation est Confringo. Très bien. C'est le sort que j'ai utilisé tout à l'heure dans l'arène, d'ailleurs. Tu veux faire un essai pour de vrai ? Vise seulement. Non, du coup, Confringo. Mieux vaut ne pas endommager la crypte. Essaie sur ces candélabres. Confringo ! Bravo ! Comment tu te sens ? Ça brûle un peu. Tu t'y habitueras. Voilà ! Je crois que j'ai compris. Bravo ! Je dois avouer que c'était amusant. La première fois qu'Ominis et moi avons essayé Confringo, on s'est brûlé les sourcils. J'aurais payé pour voir ça. Je n'oublierai jamais ce moment. Et pourtant, je trouve encore que ce sortilège a quelque chose d'addictif. L'explosion produit beaucoup de chaleur. Ça ne m'étonne pas pour vos sourcils. Tu finiras par t'y habituer. Avec Anne et Ominis, on s'entraînait ici pendant des heures. La crypte était notre refuge. Je n'étais pas venu depuis longtemps. Ce n'est pas pareil sans Anne. Je suis désolée pour ta sœur. Si je peux faire quoi que ce soit... La prochaine fois que j'irai à Feldcroft, tu pourrais peut-être venir pour rencontrer Anne. Ça lui changerait les idées. Préviens-moi quand tu iras, et je t'accompagnerai. Ah bah, au-delà oui. Du manque. Elle est coincée à la maison avec notre tuteur, mon oncle Solomon. Malheureusement, tu vas également le rencontrer. Je suis sûr que rencontrer une nouvelle élève lui fera du bien. J'ai hâte de faire sa connaissance. Parfait. Au fait, qu'est-ce que tu ne pouvais pas me dire tout à l'heure ? Je ne sais pas par où commencer. Tu as dit qu'il manquait quelque chose dans ce que tu as trouvé dans la bibliothèque. J'imagine que ça a un rapport avec ce que tu m'as dit, à propos du port au loin, de Gringotts et de Ranrock. Rien ne t'échappe. Et oui, c'est ça. Et comme tu dois t'en douter, ça ne s'arrête pas là. Je t'écoute. Tu dois me promettre de ne rien dire. Je t'ai fait confiance en te révélant le secret de cette crypte. À ton tour maintenant. Très bien. Je vois des traces du coup, de magie on est en train ancienne. De se faire une bande de potes, tout simplement, qui va nous aider, je pense, dans les trucs vers la fin du jeu. Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que je vois des traces d'une magie ancienne. C'est classique, mais c'est cool. Autres. Fig et moi pensons que Ranrock a trouvé un moyen de maîtriser la puissance de cette magie. Tu es en train de me dire que les gobelins manient peut-être une sorte de magie de sorcier ? C'est ce qu'on essaie de découvrir. Et cette capacité que tu as, elle te permet aussi de manier cette magie ? Je ne sais pas. Préviens-moi quand tu auras décidé. J'étudie la magie archaïque depuis un sacré bout de temps. Peut-être qu'on pourrait s'entraider. En attendant, puisque Rockwood et Ranrock en ont après toi, tu devrais passer plus de temps à t'entraîner au maléfice explosif. Tu peux rester ici autant que tu le veux. Et souviens-toi, ne parle à personne de cet endroit. Bon, comme je pense qu'à un moment, on va avoir le choix d'en parler à quelqu'un ou pas. De la crypte. Pas de replantage depuis tout à l'heure. Enfin, depuis le début, quasiment. Quasiment depuis le début. Salut, Sébastien. Attends. Toi, là. Je t'entends. Oh, bonjour, Hominis, c'est ça ?
Je crois qu'on est ensemble en cours de potion et de botanique. Je reconnais cette voix. Je vous ai entendu parler, Gareth Weasley, et toi, en cours de potion. Tu es la nouvelle recrue de 5e année. Tu viens de sortir de la crypte ? Comment tu as fait pour entrer ? En fait, c'est Sébastien qui m'a amené ici. Mais il m'a bien dit de n'en parler à personne. Le traître ! Si tu dis un mot au sujet de cet endroit à qui que ce soit, même ton précieux professeur Fig ne pourra rien pour toi. Mon père est ami avec le directeur. Et je n'hésiterai pas à en profiter. Oh, lui, oui, ok. Ominis, c'est un serpentard pure souche. Fais-moi confiance, Ominis. Je ne dirai rien. Pourquoi je devrais te croire ? Tu viens de trahir Sébastien. Écoute-moi, j'essayais de le défendre. Il m'a bien dit que c'était un endroit secret et que je ne devais pas en parler. C'est un ami fidèle. Je sais très bien comment est mon ami d'enfance. Je n'ai pas besoin de toi pour me l'expliquer. Ominis, je voulais dire... Je sais ce que tu veux dire. Sébastien s'attire assez d'ennuis tout seul. Il n'a pas besoin de toi. Mm-hmm. Sébastien va se faire passer un savon. Et ça nous débloque un point d'épée. Non. Impression. Ah non, c'est le point TP qui est au-dessus après. On va aller déclencher le truc de la salle sur demande. Comme ça, ce sera fait aussi. Bien que j'avance les quatre principales quand même. D'ailleurs, j'ai toujours pas appris la Lomora. C'est sûr, c'est ce qui va me servir de toute façon pour... pour ouvrir les cadenas. Ah bah oui. Oui, oui. J'ai pas reconnu l'endroit, mais oui. Il vaudrait mieux éviter d'être vu. Excusez-moi, le directeur m'a retenu et je... Par la barbe de Merlin, vous n'avez pas perdu de temps. Bravo. Allons-y. Après vous, professeur. C'est ce qu'elle nous envoyait faire, d'accord. Quel est cet endroit ? Il s'agit de la salle sur demande. Elle n'apparaît que lorsqu'on en a réellement besoin. D'ordinaire, les rares élèves qui tombent sur cette pièce ne le font que par accident. J'avais prévu de vous suggérer comment la trouver, en marchant près de ce mur tout en se concentrant sur ce qu'il vous faut. Mais vous avez réussi à la trouver sans aide. Tant que nous sommes là, autant en profiter. Oh, où est Chic ? Il a dû se faufiler et partir plus loin. Chic, professeur ? L'elfe de maison à qui je parlais en classe le jour de votre arrivée. Je me disais qu'il pourrait vous aider à vous servir de cette salle si vous la trouviez. Mm-hmm. Oh, ne comptez pas sur moi pour escalader tout ce bazar. Oh. Voici l'occasion idéale de vous apprendre Evanesco, le sortilège de disparition. Vous pouvez lancer Evanesco pour faire disparaître des objets, comme ces chaises et d'autres éléments de la pièce. Je vous conseille de vous entraîner. Je pense que le prochain point de talent, je vais prendre une autre palette de sorts.
Superbe. Maintenant, lancez. Du coup, là et là pour le moment. Ces chaises. Voilà. Excellent travail. Vous remarquerez que vous possédez désormais une pierre de lune. Nous discuterons de son utilité. Oui, c'était marqué que ça nous en donnait des pierres de lune. Je fais que d'en récolter depuis que je me balade. Par Merlin, où se trouve cet elfe? Revelio. Non, c'était plus... Ouais, c'est plus vers le centre de la salle après les autres matchs. Par Merlin, ma vieille sacoche. Je me demandais où elle était passée. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit restée ici. J'ai attendu ici pendant des lustres. En doute, dois-tu travailler sur davantage de parchemins que prévu? Dis-moi si tu veux prévoir une autre rencontre bien à toi, T. Engueulé par les tableaux. Ah ok. Je la fasse sortir un peu pour pouvoir monter. Je vais d'abord aller là. J'espère que c'est plus solide que ça en a l'air. Attention, arrêtez cette personne. Mais non, pas. Ça ne sert à rien, ça, espèce de tas de ferraille. Revelio. Ça y est, les buissons. Alors comme ça, la salle estime que j'aurais besoin d'un bain qu'elle toupait. C'est joli ça. Donc quoi? Pas besoin du RTX pour avoir des beaux effets de lumière. Hein. Oh, il faut vraiment être un elfe de maison pour passer par ici. Revelio. Qu'est-ce que c'était? C'était un vif d'or? Vous devriez peut-être invoquer vos cellules grises pour trouver la solution. Revelio. Ça me dit comme s'il y avait un truc ici, mais non. Confringo. Oh, mais attends. Avant d'aller plus loin, je vais retourner à l'autre caisse. Ça va être vite fait. Hein. Il va falloir prendre le saut à la place. Voilà. Juste ce qu'il faut. Un objet que je peux utiliser, mais enfin qui est mieux, mais voilà. C'est toujours un truc.
Et qui le sait? Là. Attends, mais ça pour le moment. Non, je peux pas. Bizarre quand même. Continue d'explorer au pire. Je verrai pour récupérer tout ce qu'il y a dans la salle sur demande plus tard. Ça c'est pareil, ça met une caisse ici, mais. Simplement que je l'utilise de ce côté-là, la caisse. C'est bizarre des fois. Ou c'est juste moi qui comprends pas. Là, il y a un coffre. Merde, j'ai mis Repulso sur les deux. Et là, je peux pas m'approcher assez pour le récupérer. Je passe au travers sur. Je peux pas bloquer. C'est l'autre que je veux attirer, moi. Je devrais peut-être pouvoir attirer l'autre. Ah. Voilà. Mais merde. Ça m'attire les deux du coup. Voilà. Un turbin. D'accord. Eh ouais. Turban, comme le professeur dans le premier film. Rebellion. Il y a encore un sac là. Toujours celui qui était là. J'espère que cet elfe de maison pourra me trouver ici. Action. Réduction. Rebellion. Digoulas. Bonjour Mitsu, comment vas-tu? Hey, attention. Hein? Oh, vous êtes là. Attendez ici. Et merci pour le follow, Sanat. Instagram. Bienvenue dans la bande des zombards. Excusez-moi, professeur Weasley. Chick était en train de regarder tout ce qui est apparu ici depuis la dernière fois où Chick est venu. Ah, laisse-le tranquille, mon personnage. Il était très bien. L'élève en question. Et l'élève est hétéroclite. Chick est ravi. Le seul élève qui n'est pas habillé comme tout le monde. Chick est mon ami depuis ma deuxième année à Poudlard. Nous avons découvert cette salle ensemble. J'ai parlé de vous à Chick. Nous pensons que cette salle pourrait vous être utile autant qu'elle l'a été pour moi. Chick, est-ce que tu pourrais... Bien sûr. Comment vas-tu? Bon matin, Mitsu. La salle sur demande est toujours équipée de tout ce dont a besoin celui qui la cherche. Cet endroit est incartable, ce qui signifie qu'il n'apparaît sur aucune carte. On le trouve généralement par hasard. Alors, je fais que de récupérer des skins, justement, mais je sais pas où je dois les changer. Vous semblez y avoir accédé sous sa forme de salle des objets cachés. Moi qui cherchais un endroit à l'abri des regards indiscrets. Bonjour Sana. Et ouais, c'est un peu ça, on va dire. Ok, dans l'inventaire, j'avais pas compris. Parce qu'il y a les items à découvrir un peu en mode Diablo là aussi.
vous devez vous concentrer. Que je récupère, mais je sais pas exactement ce que c'est comme item. Et imaginez la pièce exactement comme vous voudriez qu'elle soit. La salle fera le reste. Et ouais, pour le sourire, bah, je l'ai remarqué un peu sur tous les personnages depuis le début. Les animations ont un peu de mal par moment. Ok, merci du coup. Bah, après, je suis à la manette, mais ouais. Je verrai ça juste après. Je pense que maintenant, vous avez une excellente base de travail. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire de cet endroit. Attends. Désolé, Madame Wesley, mais je vais vous couper un peu. Je voulais voir. Ah, ok. Changer d'apparence à cet endroit-là. D'accord. J'ai compris. Ouais. Je suis bien comme ça. T'en dis quoi, Mitsu? Non, hop. Attends. Non, c'était celui-là que j'avais bien aimé en chapeau. Non, l'hôtel de la vérité, non, non, c'est bon, ça ira. On va éviter. On va éviter. Moi, après, c'est ces items-là. Attends, que je retrouve dans quelle catégorie ils étaient. Voilà. Les non identifiés. Je sais pas. J'ai pas trouvé encore. Je peux choisir de mettre la capuche. J'avais pas capté aussi. Ok, donc ouais, bon, j'en ai récupéré tellement, au final j'ai fini par en détruire certains pour refaire de la place, parce que ça montre quand même que les stats sont plus basses. Ou parce que, tout simplement, voilà. Du coup, je vais prendre le temps de faire mon apparence un petit peu. Ça, c'est les apparences de base. D'accord. Ça, c'est cool. Ah oui, je peux vraiment être une armure vivante. Sérieux, quoi. Oh, sympa avec l'effet sur la robe. Ah bah, t'as tout compris, Sana, toujours. Toujours. Effectivement, du coup, il y a des skins sympas. Hein. Voilà, c'est pas mal comme ça. Le skin qui va avoir aucun sens. Alors, c'est quoi que j'utilisais au début que j'avais bien aimé? Ça. Et les gants. Les gants royaux de Poudlard. Oh, comme ça, ça va être pas mal. Oh, c'est un des mitaines, ouais. Hop, voilà.
Et il semble que la salle vous a fourni un bureau de description. C'est bien comme ça. C'est toute belle. Il est capable d'identifier les vêtements inconnus. Il vaut mieux connaître les effets précis des habits que l'on porte. Ah bah, ok. Donc ça va me débloquer les améliorations d'équipement. Et révéler les propriétés. D'accord. Ça, c'est tard, entre guillemets, ou c'est juste moi qui ai trop traîné sur les... sur des trucs... sur des trucs secondaires. Et par contre, ça me rechange mon apparence à chaque fois. Faudra que, à chaque fois, faudra que je la remette. Ok. Mais quand ça a été un item que j'ai identifié, ça me l'indique avec le petit rond bleu. Ah, parce qu'ils ont un effet supplémentaire. D'accord. Oui, je suis en train de comprendre. Ça va, après, tu vas pas vraiment te spoiler. Enfin, oui, je suis sur une quête principale, mais voilà, après. C'est pas non plus... Merci d'être passé, Mitsu. À plus. Là, à la fin, on meurt tous. Vous trouverez de nombreux vêtements qui devront être identifiés. Ce bureau vous sera bien utile. Ok, madame. J'imagine que le bureau de description me sera utile. Tout à fait. J'espère que vous saurez en tirer parti. Maintenant, je vais vous apprendre les bases de l'invocation. La salle ne contiendra peut-être pas d'emblée tout ce dont vous avez besoin. Invocation ? Oui, la magie consistant à créer ou invoquer des objets. Je vais vous apprendre. Alors. Hop là. Et un sort en plus. Excellent. Si vous invoquez des objets plus complexes, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un créasort. Les créasorts sont comme des recettes. Ils listent les ingrédients ou ressources nécessaires à l'invocation d'un objet en particulier. Vous devriez avoir acheté ceux de la table de potions et de la table de rempotage chez Tom et Parchemin à Préolard. C'est le cas. Où puis-je trouver les ressources dont j'ai besoin ? Si des ressources comme la pierre de lune peuvent être trouvées dans les Highlands, il est plus sûr et plus pratique de les acheter. Wow. Elles peuvent aussi. Alors, j'ai pas fait gaffe exactement, j'en avais combien, mais des pierres de lune, je fais que d'en ramasser depuis le début. D'ailleurs, vous devriez avoir assez de ressources pour l'instant. Je vois. Et je récupère les ressources investies dans un objet invoqué quand je le fais disparaître. Oui, tout à fait. Une question pertinente. Vous voulez essayer ? Invoquez donc une table de rempotage et une table de potions. Elles vous seront familières puisqu'elles ressembleront à celles que vous avez déjà utilisées pour concocter des potions et étudier des plantes magiques en classe. Alors, j'ai pas un point de talent qui traîne des fois ? Non, merde. Ça m'apprendra à les mettre dans des trucs que j'ai pas besoin de suite, mais c'est pas grave. Du coup, invocation. Je vais le mettre à la place de réparo pour le moment. Donc, potion. Oui. 200 pierres de lune, ouais, ça va aller pour le moment. Pose de potion gothique. Éclectique, botanique, scientifique. Éclectique, ça sonne bien. Changer de couleur. D'accord. Mais c'est trop bien. Le violet. Le violet, c'est le bien.
Alors, retour. Marmite, je peux pas. Botanique. Table de rempotage. On va te ranger là. Non, bah alors ça fait quelque temps déjà, parce que vu que je stream quand même pas mal et que je fais beaucoup de jeux en émulation, je commençais à avoir des soucis en 16 gigas déjà avant ce jeu. J'ai décidé de passer à 32 depuis la fin d'année à peu près. Bah, quand j'ai changé de carte graphique en fait. Changer de couleur, violet. Bon travail. Vous pouvez les utiliser pour faire pousser des plantes ou concocter des potions. À condition d'avoir récupéré suffisamment de graines. Bureau de description qui permet d'identifier les équipements inconnus et leurs propriétés. Bah après, c'est que le 16 giga, c'est marqué pour 720p, je crois. Donc le minimum. Mais je pense qu'en 1080p et en dosant bien tes réglages, tu peux t'en sortir. Pour te dire exactement. Voilà, en comptant que j'ai Discord, j'ai deux onglets internet, j'ai OBS, le jeu qui tourne et d'autres, quelques autres trucs en tâche de fond, j'ai presque 20 gigas d'utilisés au total sur le PC. Mais le jeu en lui-même, il m'en utilise que 2,5. Au final. Enfin, pour le moment, parce que je suis sûrement dans une salle qui demande pas beaucoup et qui a pas tant de choses que ça de charger. Décoration. Putain, et c'est tous les trucs que j'ai récupérés depuis le début en collection, ça. Mais après, ouais, mes 16 gigas avant que j'augmente, je me retrouvais souvent limite. J'ai eu le même problème il y a quoi? Il y a 2 ou 3 ans maintenant, quand je suis justement passé de 8 à 16, quand j'ai upgrade mon PC complet. Parce qu'il y a trop d'effets à l'écran. C'est bizarre quand même. Chic est là pour répondre à toutes vos questions. Ne sous-estimez pas ses conseils. Je ne manquerai pas de parler à Chic en cas de besoin. Je vous remercie. Bon, je vais pas tarder à arrêter, moi, je pense. Je vais rester ici encore un moment si vous souhaitez apprendre un autre sort de métamorphose. Je dois aller faire un tour au magasin. C'est dans la salle. Je vais voir la prochaine quête principale, au pire la faire. Oui, du coup ça m'a mis à jour la collection et tout. Ok, alors. Clé du dédale, essai en vol, décoration intérieure prérequis, parler au professeur Wesley, donne le sortilège d'altération, création d'invocation. Ok. J'aimerais commencer la leçon suivante. Très bien. Tout d'abord, vous devez récupérer de la pierre de lune. Vous pouvez en obtenir d'autres en faisant disparaître des choses dans la salle. J'en ai assez, madame. J'ai assez de pierre de lune. Pour le moment, en tout cas. Hors du château. Revenez me voir quand vous en aurez récupéré suffisamment. Nous commencerons la leçon. Venez me retrouver dès que possible. Je reviens d'une visite contre-productive au ministère. J'espère que vous avez fait meilleur usage de votre temps. Oui, du coup, maintenant, on va pouvoir reprendre la quête principale pour pouvoir récupérer le bouquin et aller le poser dans la salle des cartes. Mais du coup, t'en es où, toi, à peu près dans le jeu de ton côté, Sana? Malgré tes problèmes de lag. J'ai tout ce que vous aviez demandé, professeur. Bien, la leçon peut donc commencer. Les tables de potions et de botanique ne sont pas les seules choses que vous pouvez invoquer. L'invocation peut être utilisée pour décorer cet espace à votre goût.
Essayez donc sur les murs ou sur le sol. Attends, elle m'a donné un sort ? Ah non. Invoquer des 5 décorations murales, invoquer des décorations de sol. D'accord. Alors. Mettre là-bas. Étagère pour équipement de Quidditch. Ouais, on va le mettre quelque part par là. Des plats ici. Ah, il faut que ce soit un endroit vide. Posé. On va le mettre là. Miroir. Et des outils de botanique par ici du coup. Voilà. Et maintenant, les décorations de sol. Sinon qu'il est en dehors. Faudrait réussir à le placer comme je veux. Un peu chiant à placer les machins, on dirait. Je vais les placer à l'arrache, les tapis, parce que... n'est pas débloqué des petits. Bon, on va genre te placer là. Et toi devant. Voilà. Bon travail. Si nous passions à la suite. J'ai invoqué tout ce que je pouvais. Et maintenant, professeur ? Vous allez pouvoir commencer à apprendre l'altération. Le sortilège d'altération vous permettra de personnaliser les objets invoqués. Vous pouvez changer la couleur, les motifs et le style de vos meubles selon vos goûts. Commençons. Je vais vous montrer comment lancer le sortilège d'altération. Regardez bien. Ok, bon, au moins je vais récupérer tous les sorts qui y aura besoin pour la salle sur demande. C'est plutôt cool. Visez un objet invoqué avec votre baguette magique et lancez le... Alors... altération pour le personnaliser. Mais non, mais... ah, je peux les faire plus petits. Modifier le style d'un objet. Merde. Comme ça. Changer de couleur. Modifier le style du coup. Qu'est-ce que je pourrais modifier ? Ça peut-être ? Ah non, mais c'est pas le mur que je voulais viser, en plus c'était la table.
voilà, bah c'est comme ça. Je pense que nous pouvons passer à quelque chose d'un peu plus complexe. Vous pouvez utiliser le sortilège d'altération directement sur l'architecture de la salle. Essayez ces nouveaux styles sur le sol ou sur le balcon. Ah oui, d'accord. Ça. Pas mal comme ça. Cet endroit aurait bien besoin d'un petit coup de neuf. Vous ne pensez pas ? Chick, si tu veux bien. Bien sûr, professeur Weasley. Le professeur Weasley a montré cette magie à Chick il y a des années. Chick pense que... Le professeur Weasley m'a dit de te demander comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr. Je vais même pas laisser finir de parler. Et quelle sorte d'ambiance préférez-vous ? Naturel. J'aimerais que la salle évoque la nature. Comme si j'étais à l'extérieur. Ça semble parfait. Oh, cela change tout. Bien entendu, ne gardez pas ce style s'il ne vous convient pas. Vous n'avez qu'à demander à Chick d'annuler cette modification. Bon, vous avez beaucoup appris sur l'altération. Merci, professeur. Cette salle est pleine de possibilités. En effet, peu importe combien de temps je passe ici, la salle parvient toujours à me surprendre. Pour un morceau de salle. Ah oui, ça nous ouvre toute la salle, d'accord. Un espace encore plus grand. Qu'est-ce qui s'est passé? La salle s'équipe toute seule en fonction de vos besoins. Elle a dû sentir qu'il vous fallait plus d'espace pour vous entraîner. Si vous souhaitez aménager davantage ce lieu, vous pouvez utiliser ces créasors. Vous en trouverez à l'intérieur et à l'extérieur. Je ne vais pas le faire beaucoup, je pense, en stream, mais en off, je vais passer des heures à modifier. Du coup, j'ai terminé un défi. Ah non. Quête. Non, c'est la première que je retermine depuis que j'ai fait les 10. D'accord. Je vais voir pour le professeur Bulbig. Obtenir et utiliser une tentacula vénéneuse, obtenir et utiliser une mandragore sur plusieurs ennemis à la fois. Ok. J'ai tout normalement. Attends. C'est pas là. Merde, c'est où que ça se range? Ça range que sur l'inventaire rapide. Moi, j'ai les mandragores. Enfin, une mandragore et j'ai de la tentacula vénéneuse. Faudrait juste que je pense à les utiliser. Du coup, voilà, retourner voir le professeur Fig, ça me permettra d'avancer la quête principale et de poser le bouquin dans la salle des cartes. Enfin, de la salle de la carte. Faudrait que je continue à fouiller dans Poudlard pour trouver les clés du dédale. J'ai fait la moitié. Après, j'ai repéré pas mal des armoires, mais je n'ai pas réussi à trouver les clés. Pour le moment, donc. J'ai ça à faire aussi. De 8 heures de stream. Ouais, parce que 8 heures de stream, bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je pense quand même. J'ai dit, j'ai un truc à faire, de toute façon. Oh, putain. C'est dur.
Ouais, c'est dimanche de toute façon, donc bon, on va pas forcer. Hop. Alors. Regardez. Combien d'heures de jeu du coup? 12 heures. Ouais, bah, j'ai rejoué 6 heures, à peu près 6 heures. Ah, en temps de jeu, ça me fait pas. Ah ouais, Bon, après, j'ai eu mon plantage, j'ai pas lancé le jeu instant non plus, je crois. Donc ouais, peut-être normal que j'ai autant de décalage par rapport au stream. Juste faire ça avant de m'arrêter là et là. Ça, c'est toutes les décorations que je débloque. Ok, je suis à 28. Attends, je suis aveugle encore. Merci. Voilà. Les tenues, ça avance plutôt bien. Les ennemis, pareil, il n'y en a pas tant que ça, des ennemis différents. Je me suis pas mal baladé pour le moment. Les outils, ça, c'est bon. Les attributs. Ok, ça, c'est ce que j'obtiens quand je fais les défis d'ennemis, les protections. Plante. Ok, il m'en manque à découvrir des ingrédients. Et bah allez, j'ai acheté tout ce que je pouvais pour le moment. Il y en a un dans l'eau, c'est le balai de base, normalement. Lui. Non. Pourquoi j'en ai 5? Ah, maison poudre là, bah non. Ok. C'est peut-être moi, juste moi qui me souviens plus. Ça, c'est les créatures que je rencontre. Ouais. Et les pages qu'il va falloir que je continue. Parce qu'après au lard, j'en ai pas beaucoup. Après au lard, je vais pouvoir en récupérer beaucoup plus quand j'aurai débloqué Alomora. Poudlard, ça a bien avancé, même s'il en reste pas mal. Et les Highlands, pareil. Ce qui est bien pour les Highlands, c'est que ça me les indique sur la carte. Donc ouais, et puis les tenues à collectionner. Et voili, voilou. Hop. Plein. Donc merci encore Sana pour le follow sur ce stream. J'espère te revoir une prochaine fois. Je vais sûrement restream le jeu la nuit prochaine. Donc on se reverra, on se recroisera peut-être pour la fin de nuit, début de matinée. Si jamais tu souhaites repasser. Merci aux autres personnes qui seraient passées pendant le stream. Ou aux quelques leurs cœurs qui pourraient encore traîner et dormir dans un coin. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.